Utilisez les filtres dans PubMed. PubMed est une base de données portant sur les sciences de la santé. Par conséquent, outre les filtres généraux couramment utilisés dans la plupart des bases de données, cette dernière utilise également des filtres spécifiques aux ressources en sciences de la santé. Dans la présente vidéo, je vous montrerai comment accéder aux filtres dans PubMed et localiser certains des filtres utiles dans la liste. 1. Lorsque vous ouvrez PubMed, la première étape consiste à effectuer une recherche. Que ce soit ici, dans la page d'accueil, ou par l'entremise de la base de données Mesh. Vous verrez maintenant s'afficher les filtres de base dans la partie gauche de la page. A. Utilisez le filtre Type d'article, Article Type, pour limiter vos résultats de recherche à des types particuliers d'articles. Cochez autant de cases que vous le souhaitez. Certaines options dont examen ou revue systématique. Essais randomisés, contrôlés et méta-analyses sont disponibles par défaut dans la page des résultats. Vous pouvez ajouter des options de filtrage additionnelles comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. B. Deux options de filtrage par date de publication Publication date sont disponibles. Vous pouvez filtrer les résultats par année à l'aide de l'interface à glissière permettant de sélectionner une plage d'année. Vous pouvez également une période de temps sous date de publication. Ce filtre vous permet de chercher des articles publiés au cours de la dernière année, des 5 dernières années, des 10 dernières années, ou d'une place d'année personnalisée. C. Cochez le filtre texte intégral, full text, pour limiter vos résultats de recherche aux articles pour lesquels vous avez accès au texte intégral. Ceci comprend les articles de revues et journaux auxquels votre bibliothèque est abonnée et accessible gratuitement par toutes et tous. D. Quant au filtre texte intégral, Free Full Text, ce dernier limitera vos résultats de recherche aux articles que toutes et tous peuvent accéder gratuitement. Servez-vous de ce filtre si vous n'étudiez ni ne travaillez actuellement à l'établissement ayant des abonnements à des revues et journaux accessibles par l'entremise de PubMed. 2. Vous pouvez ajouter d'autres options de filtrage en cliquant sur Filtre additionnel, Additional Filters. Comme vous pouvez le constater, ceci nous donne beaucoup d'options de filtrage à ajouter. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup plus de types d'articles que vous pouvez délimiter. Vous pouvez également filtrer par espèce visée, par langue de rédaction, par sexe de la population visée, par revue journal, et par âge de la population. 3. Sélectionnez tous les filtres que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Afficher, Show. Les filtres additionnels sélectionnés s'afficheront alors dans la partie gauche de l'écran. Vous aurez remarqué que les filtres que j'ai ajoutés tantôt n'ont pas encore été cochés. C'est parce que cette étape ne fait que les ajouter comme option de filtrage. 4. Maintenant, vous sélectionnez tous les filtres que vous souhaitez utiliser à partir de la liste de filtres à gauche. Au fur et à mesure que vous cochez des filtres, votre liste de résultats changera automatiquement. Vous verrez diminuer la liste de résultats au fur et à mesure que vous ajouterez des filtres. Si vous estimez avoir trop restreint votre recherche, il vous suffira alors de désélectionner des filtres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir comment utiliser les filtres de recherche dans PubMed. Merci d'avoir visionné cette vidéo.